Bonjour tout le monde, je suis Max Gamer et bienvenue à mon let's play de Majora's Mask 3D. Donc, nous en sommes au soir du troisième jour, donc on va essayer de se dépêcher pour faire les dernières quêtes que je voulais faire. Et en fait, j'aurais peut-être pas dû faire ça tout de suite, parce qu'en fait, faudrait que j'aille faire terminer la quest des DQ Shop pour être sûr. Parce qu'en fait, si j'ai une quest qui peut quand même être longue, et que je pourrais fuck up éventuellement. Possiblement. Donc, ok, je vais juste aller chercher le quart de cœur dans le fond ici. Premièrement. Et après ça, je vais juste aller chercher le dernier DQ Shop, ça va être fait. Et, oh merde. Là, il va nous prendre de quoi, j'imagine. Oh, il a pas fait de message pour dire qu'on a perdu de quoi. Ok, tant mieux. Donc, simplement tuer les. Oh god. Et on va simplement booster dessus si on est capable. Parfait. Et une deuxième fois. Come on, come on. Parfait. Donc en tuant, on a un corps de cœur. Yay! Parfait. Donc, sur ça, on va se dépêcher d'aller à Stone. Ben, pas Stone Tower, en fait, à Ikana. Donc malheureusement, je peux pas me téléporter directement, donc je vais devoir utiliser simplement la téléportation vers Clock Town. Et on va essayer de se dépêcher, pas se débrouiller. Ben en fait, techniquement, oui aussi. Donc, on va aller, je pense que c'est ici la bonne sortie. Parce que Ikana, si je me rappelle bien, est à l'ouest. Go, 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 go. Hey, Bomber, t'as-tu une... Non, y'a pas de rumeur à me dire. Et c'était pas pendant toute la bonne place. C'était au sud, en fait. Donc, on va mettre Garen Mask pour aller plus vite. Et en fait, je sais pas si je pourrais vraiment l'utiliser parce que j'ai presque plus de magie. Est-ce que je suis capable d'en trouver ici? Oui, nice. Et en fait, c'est même pas au sud, c'est à l'est. C'est ça, je me suis trompé entre ouest et est pour sa direction. J'étais pas mal sûr que c'était à l'ouest, sérieusement. Mais ça l'était pas. Oh well. Ah ben non, c'est vrai parce que c'est Great B de ce côté-là. Ok, donc on va caler Hippona parce qu'on en a besoin pour passer par-dessus les clôtures. Et en fait, derrière, on a les bubbles qui nous freeze, qui nous empêchent d'utiliser notre épée. Donc, oh god, faut pas qu'il me touche. Ah, fait qu'il me touche quand même si je m'en vais sur Hippona. Ok, that's not good. Ouais, c'est pas grave, ça va... L'effet va disparaître à un moment donné. Et c'est drôle, hein, je suis étonné qu'il m'a même pas dit le message, parce que je sais que ça m'empêche d'utiliser mon épée, mais quelqu'un qui le sait pas, c'est comme, hey, comment ça je suis bleu tout d'un coup, puis que je peux plus rien faire. On peut quand même utiliser le reste de nos armes au moins. Sinon, ce serait vraiment chiant. Donc, je vais équip le hookshot. Allez, juste ici. Parfait. Donc, on va continuer juste ici, éviter les bubbles. Encore une fois. Et se rendre un petit peu plus par ici. Et on a, comme par hasard, un autre quart de cœur. Donc, comme d'habitude, on se met le masque de la dernière place qu'on a acheté. Ben, pas nécessairement acheté, mais eu un deed. Donc, thanks for stopping by. You're from the ocean, aren't you? I'm here to sell blue potion. Actually, I want to do business in the sea breeze while listening to the sound of the waves. Oh, I so do feel you, man. But to open a business in another place, you need to go through the proper channels first. Do you know what I mean? Yes, I do. Oh, if that isn't an ocean title deed, let me have that. Please, if I have that, my dreams will come true. I'm not asking for it for free. I'll give you this. A huge rupee! Ouais, ouais, ça se prend bien, ça. Donc, on a eu 200 roupies avec ça. Oh yeah! The nut brown beauties are waiting! Ok.
cas, c'est clair qu'il va plus enjoy l'océan que cette place creepy là. Donc, on va se mettre en découchable comme d'habitude pour utiliser la flower. Parfait. Donc, on se rend ici et aller chercher le dernier quart de cœur et on voit que c'est vraiment calculé comme distance. Parfait. Donc, prochain arrêt. On va retourner à Clocktown. Je viens de me souvenir justement qu'il faut que je fasse quelque chose d'autre parce qu'en fait, je pourrais le faire n'importe quand. Mais on va vraiment clear au complet la quest des Kushrub. Why not? Ça a pas rapport avec la même quest en fait, mais c'est pour un autre quart de cœur. Et je sais vraiment pas comment qu'on fait pour savoir ça. Comme sans simplement le savoir justement, c'est juste que je le sais, mais si quelqu'un a jamais joué au jeu, c'est vraiment pas évident à savoir. Il faut en fait retourner à l'observatoire, ce que je vais faire dès maintenant. Et le chemin est clear maintenant, on n'a plus besoin de rentrer le maudit code. Même si je sais que c'est 4, 2, 1, 5, 3. Et là, check bien ça, c'est même pas ça, puis j'ai l'air complètement ridicule. Non, c'est vrai, je suis pas mal ça, c'est ça. Donc, on va retourner encore une fois ici. Aller à l'observatoire. La balloon n'est plus là parce qu'on l'a déjà brisée. Balloons. Allez, dépêche-toi, Link. Mais pas juste ça à faire. Donc, on va aller parler au vieux monsieur ici. Blablabla, oui, j'ai regardé dans ton maudit télescope. Donc, en fait, c'est drôle parce que. T'sais, on a donné le title deed au Deku Shrub. Et en fait, il est encore ici. C'est comme s'il attendait qu'on regarde par le télescope pour qu'il vole ici. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est simplement le regarder. Faut le regarder, genre, jusqu'où il se rend. Jusqu'au bout, en fait, pour que ça se déclenche comme il faut. Donc là, il fuck around, il tourne en rond, il fait comme où est-ce que je pourrais aller? Donc, il va simplement se déposer dans un trou juste ici. Et comme on arrête de tourner autour du pot. Arrête de tourner autour du trou. Get in it. Oh, wow, ok, il disparaît. Il rapetisse dedans en plus. That was weird. Follow that scrub. Donc, on a suivi où est-ce qu'il a été. Il s'est. Il a comme échangé sa place super confortable pour un trou. Mais bon, on va pas questionner ça. Est-ce qu'il y a une place pour que je puisse sortir ici ou je dois nécessairement me téléporter? Ah, il y a un Magic Bean Spot, mais j'en ai pas d'autre. Oh well, on va simplement retourner à Clocktown. En même temps, on va déposer le 200 roupies que j'ai. Ça le maxed out. Dans le fond, mon rupee bag. Donc, on va simplement déposer ça, blablabla. Bla bla. Là, il est comme, oh mon dieu, t'es pas encore parti, comment ça? 200 rupees. Là, il est comme, oh god, t'es rich as fuck. Il nous donne 5 rupees parce qu'on a réussi à mettre 1 000 $ de déposer. Mais il en faut 5 000 pour le quart de cœur. Donc, notre prochain arrêt, justement, on va aller voir le Deku Shrub qui est parti pas mal dans cette direction-ci. Parfait, on va se dépêcher. Et là, je me demande vraiment quelle autre quest que je pourrais faire après, parce qu'il y en a deux autres que je pensais. Il y en a une au Graveyard que je pourrais faire. Il y en a une aussi où est-ce que j'étais tantôt au Waterfall, mais il faut que je fasse comme 4 fois la même affaire. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai le temps de faire? Hey dude! Ah, what are you doing here? This is my secret storage unit. Well, I stalk you, man. It's a problem if you come in here without permission. Please, I'll sell you with a peace of heart if you just keep this place a secret. 150 rupees for one. Oh, God. Je viens de déposer mon argent. Quoi? Non! Fait qu'il fait juste s'en aller. Fuck! Non! Oh god, why did I do this? Oh, je viens tellement de faire une erreur stupide. Oh god, non! Va-t'en pas! Oh fuck!
Ok, bon, well, va falloir que je me souvienne de faire ça après. Oh God, je ne perds mon temps à faire ça en plus. Oh, ouais. Well, on va essayer de faire le truc waterfall. Oh God. Oh, je me facepalm pour de vrai, là. Oh, c'était vraiment stupide, ça. Fuck. Oh. I'm not happy here. Puis j'ai pas sauvegardé juste avant, je pense. Anyway, je vais pas cheater justement. Oh, j'aurais dû sauvegarder là justement. Je vais le faire quand même là parce que justement. Si jamais la fin du monde arrive, for some reason, pendant que je fais ma quest, ce serait chiant. Puis que je perde toute ma progression. Je sais pas si ça fait ça en fait, mais on va pas prendre de chance. Donc là, on est safe. On a tout ce que j'ai en ce moment. Mais oh god! Fait que ça veut dire qu'à un prochain cycle, je vais perdre mon temps à aller chercher la larme, y donner, retourner à l'observatoire, le stalk encore une fois au télescope, aller y reparler, puis savoir qu'il me faut 150 roupies. Oh god! Et dire que je voulais passer mon temps à faire autre chose pendant ce temps-là. Oh well! Donc, d'ailleurs, sur une autre note, pendant ici que je vais monter sur les armes, pour 100% completion, je parle surtout de toutes les quarts de cœur et toutes les masques. Peut-être pas remplir le Bomber's Notebook au complet, je considère pas ça comme 100% puisque ça donne pas grand-chose. Je trouve le plus important, c'est vraiment les trucs essentiels, donc les masques et les quarts de cœur, donc justement avoir toutes les cœurs et toutes les masques et finir toutes les temples. C'est ce que je considère comme 100%, donc ça va être ça le let's play. Évidemment, j'ai essayé de remplir le Bomber's Notebook le plus possible, peut-être même qu'il va être complet, je sais pas. Mais je vais juste mentionner ça, parce que certaines personnes pourraient remarquer ce petit détail-là. Donc, à partir d'ici, on va monter de plus en plus grâce au Hookshot pour se rendre juste ici et aller voir deux castors complètement stupides. Oh, God. Oui, des castors complètement attardés. Et en fait, je vois sur l'écran qu'on voit vraiment mal dans le recording quand même. Mais c'est quand même potable. C'est pas trop pire. On voit quand même ce que je fais. Donc, il y a des petits castors qui avancent ici. Et on va essayer de leur parler. Et je sais pas, vu que justement c'est le troisième jour, ils sont pas juste en train de capoter. Mais je pense que non. Donc, on va dive jusqu'au fond. Pour aller les rejoindre. Hey dude! You again? You can fool me with your green gloats! You want an empty bottle, don't you? You never learn your lesson! Coucou, coucou! Oh, okay, I'll give you one, but only if you can swim through all the rings in the river in under 2 minutes! So, do you wanna try? C'est bizarre, on dirait qu'il me reconnaissait, mais c'est peut-être qu'il fait référence à Mikao qui a peut-être déjà parlé somehow. There's a total of 20 rings. You must swim through them in the right order for it to count. Swim through the ring that's rotating. I'll show you the way so follow me and not get separated. Donc, faut faire comme 4 fois ce truc-là. La première fois avec lui qui est pas très vite. Ensuite avec son frère qui est plus rapide. Et en fait, ouais, c'est pas mal ça. Et là, je viens de remarquer qu'en fait, j'ai pas. Oh fuck! J'ai pas pris le Romani Drink. Au bar qui me permet d'avoir infinie magie, donc ma magie va quand même descendre pendant la course, ce qui est pas très bon. Je pourrais plus booster et là je vais être vraiment fait si ça arrive. Mais il y a quand même des pots par terre, donc oh god. Donc justement, ce qu'il faut faire c'est passer dans les rings, mais en ce moment ça a l'air quand même assez facile, mais c'est aussi, je dirais, facile de les manquer. Et des fois en fait, c'est même des bugs de collision, ce qui est vraiment pas cool. J'ai déjà pogné les nerfs un petit peu dessus la dernière fois dans ma dernière partie. Donc, mais à date, ça se passe bien, et justement, c'est la première course, donc c'est pas très difficile. Mais bon, après ça, ça se corse. Parce que son frère va plus vite, justement, et ensuite, la deuxième fois, je pense qu'il y a plus de rings, quelque chose de même. Ou sont placés plus difficilement, en fait. Donc, ici, faut simplement sauter, je l'ai eu, heureusement. Et là, j'ai plus de magie, fuck. Oh god, j'ai manqué le pot. That's not good. Ah, mais je peux quand même booster, c'est pas trop pire. C'est pas tant une mauvaise chose que ça, quand on y pense. Ça me permet quasiment d'avoir plus de contrôle. Oh god, oh, that was close. God, j'arrête pas de manquer les pots.
Et c'est bientôt minuit et le décompte vers la fin du monde va bientôt commencer. Et j'espère que ça va pas m'interrompre dans ma quest. Ok, on est safe. Oh, that was perfect! That's not good! Did you call me little brother? I called you big brother, actually. What? An empty bottle? Yeah, an empty bottle. Don't worry, little brother. To you, it's just an empty bottle, but to us, it's a precious treasure. I can't give you one just because you bit my little brother. We can just give you one. I'll give you one after you race once more, this time against me. So, will you try? Sure. The rules are the same, but this time there are 25 rings. Don't fall behind. Oh god, j'ai même plus de magie, rien. Fuck! Ah non, ah, ça me l'a rempli pour la course à son fin. Merci, merci. Et on a le décompte vers la fin du monde qui commence, puis pendant ce temps-là, nous, on fait la course avec des castors stupides, hein. L'art des priorités. Et justement, vous venez de voir un petit peu l'espèce de bug de collision dont je parle. Ce n'est pas tant un, mais ça l'est quand même. Donc c'est un peu chiant. Come on! Ouais, c'est pas super pratique ça, on pète les pots, mais le Magic Jar, il sort comme quelques secondes après, ce qui fait que je suis déjà plus loin. Donc, c'est pas cool. Oh god, ça s'en vient pas bien ça, parce que là, je suis en train de perdre ma magie. Please, please. Oh god, what's going on? Ah, please. Oh, come on, ça me gosse. Well, je pense que je suis faite. Oh god, why? Ok, bon. Ouhouhou! Come on, Mikao, t'es capable, t'es capable. Désolé, j'étais vraiment concentré en silence. On peut peut-être encore réussir, on peut peut-être. Dans la dernière course, j'aurais vraiment pas pu, là. C'est impardonnable. Mais dans ce cas-ci, peut-être c'est forgiving. Peut-être que ça l'est assez. Allez, come on, come on. Yeah! Oh, nice. Joli. He did it, little brother. Yeah, he did it, big brother. There's nothing we can do, little brother. Avec la toune de la fin du monde derrière, j'aime vraiment ça. This is a mess, big brother. You got an empty bottle. We underestimated you. Raise the beaver, bros. Donc, on a réussi à avoir le empty bottle. Donc, est-ce que je suis capable encore de les battre avant la fin du monde? Telle est la question. On va souhaiter. J'espère que si jamais la fin du monde arrive bel et bien, que j'aurai pas à perdre la empty bottle. Parce que j'ai pas sauvegardé. Yeah, he's back, big brother. But we don't have any more empty bottles, do we, little brother? Et en fait, avant de continuer, je viens de voir, ça fait déjà 18 minutes qu'on record, donc je vais vous laisser pour cet épisode. Et on va faire justement cette quest-là au prochain épisode. En espérant la réussir avant la fin du monde. Donc, thanks for watching and see you next time. Ciao!